À Paris, au début, je faisais encore quelque chose figuratif, mais bientôt, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas tellement la nature et le paysage et les portraits, ça me paraissait un peu trop anecdotique. En 1956, je me suis arrêté à New York où j'ai décidé d'acheter un atelier dans le Soho. Et voilà. Alors, j'ai vendu mon atelier l'année 2000, je crois. Je me suis installé ici dans le sud de la France, dans un ancien, on dit monastère, où on a une grange que j'ai transférée en atelier. Quand j'étais tout petit gosse, on avait des tapis orientaux chez nous. Et puis en jouant, je me souviens, sur des tapis orientaux, j'admirais beaucoup les couleurs et les formes et tout ça. Et je crois beaucoup que j'ai été influencé par ça quand j'avais peut-être 2 ans, 3 ans, quoi. Il y a une période où une pierre a plus peint, une période où il a plus sculpté, c'est-à-dire qu'il avait une préoccupation d'espace, quoi. Ouais, je pense que les deux se nourrissent assez bien. J'ai un ancêtre écossais qui est un grand homme dans les sciences, Clerk Maxwell. L'architecture et les mathématiques ont toujours été quelque chose qui a été dans ma famille. Et mon père était architecte et bon, voilà.